Salut tout le monde, c'est Darkban, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau jeu de la semaine. Donc, le jeu de la semaine, donc de ce dimanche, vu qu'on les sort tous les dimanches à 18h, les jeux de la semaine, donc soyez tenus au courant, ça sort sur ma chaîne Darkbo et la chaîne de Future Imaginity, donc les liens sont en description à chaque fois, n'hésitez pas à les checker. Et du coup, cette fois-ci, c'est pas un jeu que moi et Patouf, donc l'autre cofondateur de Future Imaginity, on a trouvé. C'est un jeu que vous nous avez proposé sur idée jeu de la semaine. Donc c'est Dark Scientist qui l'a proposé ici. En fait, tout le monde peut y avoir accès et voilà, c'est la catégorie jeu tout simplement. Là, bon, j'ai replié toutes les catégories, sinon on voit rien. Donc si vous trouvez pas le chat, faites comme moi, vous repliez les catégories puis là vous verrez mieux. C'est dans la catégorie jeu et là on a idée jeu de la semaine. Et là, bah, vous mettez votre idée, vous mettez genre mon jeu de la semaine. Ou par exemple, on va mettre bon, Internet, il est déjà passé. Voilà, des trucs comme ça. Et vous pouvez mettre aussi, vous pouvez mettre en même temps une description du jeu. Bon, là, il m'a pas donné de description, mais j'ai pu le tester facilement, donc ça va. Donc voilà. Donc là, crunker.io cette fois-ci, comme il l'a proposé. Alors, ici déjà, on arrive sur un menu normal. Ici, on a click to play, hop, on peut jouer direct. On va faire échappe, voilà. On a customize pour customiser notre perso. La classe, on a. Donc Hunter, on a d'autres classes, voilà. Hunter, c'est pas celui de base. Celui de base, c'est Triggerman, normalement, il me semble. Enfin, je suis pas sûr, mais moi, j'ai changé. Voilà. Donc, je vais mettre Hunter, voilà. Primary, ça c'est bah ça c'est le skin de l'arme il me semble. Secondary, ça c'est l'autre pistolet, voilà ce qu'on va mettre. Alien Blast requiert niveau 15 et tout, ok. Ah bon, je suis mort, bon c'est pas grave. Melee, known, bah là on peut pas choisir. Ah quoique peut-être. Non on peut pas. Known at, bah on peut pas choisir non plus. On peut peut-être changer les textures en fait. Spray, Crunker, ok voilà. Eh bien écoutez, what? Je sais, attendez, on va faire. Je sais pas ce que c'est le spray en fait. Genre, j'ai aucune idée. Bon, échappe, normal, non voilà. C'est back, voilà, cliquez sur known. Et. Ou sinon, cliquez plus, cliquez à côté. Donc là, on a profil, donc vous, il faut vous créer d'abord. Hop, ici, moi j'ai un truc pour me déconnecter normalement. À un endroit précis, je sais pas trop où c'est. Mais du coup, j'ai un truc pour me déconnecter. Vous avez pour vous connecter. Vous pouvez vous connecter avec un compte Google, si vous voulez. Et puis ça fonctionnera en fait. Donc voilà, là, login. Bon, ça l'affiche pas, vu que moi c'est rapide, ça connecte automatiquement, vu que j'ai déjà mon truc connecté. Là, c'est pas pour relier un compte Discord ou quoi que ce soit. C'est leurs réseaux sociaux tout simplement qu'ils ont. Là on a Download Client. Pour moi il fonctionne pas donc je vais pas vous conseiller de l'installer. J'ai pas réussi à le faire fonctionner pour le moment. Map. Bah là on peut créer des maps et tout, en publier et tout. Pour jouer sur des serveurs ensuite, donc host game. Et puis là, select map, on peut choisir des maps qu'on veut. Et voilà en fait. Community Maps, bon il y a un shop pour les maps. Et on a des modes aussi qu'on peut mettre. Donc il y a une liste de modes, par exemple ici qui va s'afficher, voilà. Avec plusieurs items qu'on peut rajouter. Et je sais pas ce qu'on peut faire à part les items en fait pour rajouter. Et là ensuite on a settings, donc avant de démarrer le jeu, quoi, je vous montre un peu tout. Bon, il y a eu une explosion, je sais pas pourquoi. Voilà. Résolution, voilà, donc la résolution. Particules, oui, non. Ok, il faut juste cliquer là-dessus pour activer, désactiver. Si vous cliquez sur le nom, ça fonctionne pas. Vu que sur des jeux, ça fonctionne. Show chat, voilà, interface et tout. Crosshair color, ça je sais pas ce que c'est. Gameplay, sensibilité, donc ça doit être dès qu'on bouge le pistolet. Et audio, le son et tout, voice volume. Et on a aussi les voix. Du coup, là, hop, change control. Forward, avancer. Donc de base c'est le clavier anglais, donc c'est le clavier QWERTY, donc ça fait W A S D, W A S et D pour les touches en fait.
pour se déplacer. Et bah vous pouvez modifier. Donc là, vous prenez ça par exemple, Z. Un seul truc à savoir, vous ne pouvez pas remplacer par un clic de souris par exemple. C'est juste par un truc du clavier. Voilà. Pour les touches là à mettre. C'est pas un clic de souris qui va pouvoir être pris en compte. Donc si vous faites clic gauche, vous voulez que ça change un truc, ça pourra pas, sachant qu'il n'y a pas marqué le truc pour tirer là-dedans, parce que pour tirer c'est déjà fait de base quoi. Donc voilà, voice V, donc si vous voulez parler, et puis chat T. Ok. Alors du coup là on clique à côté, invite pour inviter des gens, ouais voilà, et c'est pour Ouais voilà ok c'est pour inviter dans la même game que nous. Alors du coup bah on va aller là-dessus sur cette map. Voilà. Alors on peut se déplacer, où est-ce qu'on va aller? Là vous voyez en gros les joueurs ennemis en rouge normalement à chaque fois. Et t'es ennemi toi? Non oh, non c'est bon. Enfin normalement je crois que vous les voyez en... Voilà, vous voyez leur vie en rouge. C'est ça. Putain, je suis mort. On meurt assez rapidement, ouais, mais on peut rejouer. Par contre, pour les niveaux, je sais pas trop comment monter le niveau. Donc, ça doit être en jouant. Y a pas, j'ai pas vu de merde, comment ça s'appelle? Succès spéciaux. Oh putain, il y a un bruit dès qu'on saute plusieurs fois. Un bruit d'effort. Ok. Où sont les méchants? Putain. Putain. Aïe, il m'a tué. Oh, what? Ah, ok, il y a un mec à moi qui a réussi à le tuer, je crois. Et du coup, j'ai dû avoir le kill avec lui. On a dû être deux à avoir le kill. Votre vie, du coup, elle est en bas à gauche, c'est marqué 60 sur 60. Moi, du coup, ce pistolet, je l'aime bien. Ah, putain, il m'avait repéré. Je l'aime bien ce pistolet parce que... Enfin, c'est pas un pistolet en vrai, c'est quoi déjà? Putain, c'est un sniper, ouais. Si on tire, hop, voilà, on voit le nombre de munitions qu'on a. Donc, ah ouais, ok. Si vous appuyez sur ce que vous voulez, vous appuyez sur T, ça va envoyer dans le chat le message. Et si vous appuyez sur Entrée, ça ne va pas l'envoyer. Donc, c'est T pour ouvrir l'espace de chat et pour envoyer un message après. Voilà. Je viens juste de découvrir puisque j'ai pas utilisé le chat avant. Et apparemment, même après la mort, ça reste ce qu'on avait envie d'écrire. Il me tue dès le début, les gens. Ils ont aucun respect pour les nuls comme moi. Enfin, je suis pas si nul que ça quand même. Et là, j'ai 39 de connexion. Par rapport à d'habitude, c'est un peu mieux. Je pense que ça fait moins laguer ce jeu. Bon, en vrai, c'est normal. C'est un jeu sur Internet, en ligne. Donc ça fait un peu moins laguer le PC que si vous téléchargez un client, un jeu quoi, sur un logiciel. Donc c'est normal que ça soit mieux. Putain, t'es où? Ok. Et là du coup le but, je crois que c'est d'aller assaut une certaine zone. Voilà, des zones comme ça en fait, à assaut, et puis après il faut tuer les gens. Merde. Ok, voilà. Voilà, plus 10. Comme ça, on gagne des points si on reste là-dedans. Bon, en vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde non plus qui va dans les zones. Après, le but, c'est aussi surtout de tuer les gens. Oh, putain. Défaite! En vrai, j'ai jamais gagné. Donc, je pourrais pas exactement vous dire comment on fait pour gagner. 15 km et tout. None, j'ai rien. C'est le point d'XP, je pense, en plus. Moi, j'ai rien eu en plus. 3, 2, et là ça va descendre, et puis là on va pouvoir hop relancer. Donc hop, d'ailleurs il y a un stream mode aussi, le stream mode, ce que ça fait pour ceux qui ne comprendraient pas le bug qui pourrait s'afficher. En fait, pardon, putain. Dès que vous activez le stream mode ici, tous les pseudos, ils vont être mis dans un, les lettres des pseudos vont être mises dans un sens au pif, à droite et même à gauche partout.
Où est-ce que vous les verrez? Donc voilà, c'est plutôt drôle ça. Donc si vous voulez vous amuser avec, faites comme vous voulez. Oh putain. D'ailleurs le jeu. Putain. D'ailleurs le jeu est plutôt fluide. Il y en a qui se fait traiter de hacker apparemment en chat. What? Mec, attends. Il va encore m'attaquer? Il va encore me tuer? Non, non, c'est bon, ok. Il est plus loin que ça. Oh. Par contre, il y en a un là-bas. Putain, ils m'ont eu les deux. J'ai l'impression pourtant ils me visaient pas. Lui oui. Mais l'autre qui m'a. Je crois que c'est l'autre qui m'a tué. Il visait. Putain, mec. Chaque fois t'es là. L'autre il me visait pas, j'ai l'impression. Chaque fois il est là. Il y a un mec là. Il y a un mec ici. On peut se mettre en sneak aussi, ça fait tourner l'arme. Bon, en soi, en termes de visibilité, ça vise au même endroit à chaque fois. Même si vous tournez l'arme. Oh putain. Mais c'est le même! Le mec, j'ai l'impression qu'il cheat. En plus, il saute dès qu'il tire. C'est bizarre, à chaque fois, il saute. À chaque fois, il est en train de sauter dès qu'il tire. Depuis quand on tire en sautant, en fait? C'est ça que je me demande aussi. C'est bizarre. Putain. Putain! Ok, ouais, il est. Ah, ok. Il saute pour esquiver les balles, peut-être. Parce que lui, c'est un autre mec et bah, il a fait pareil. Donc c'est peut-être pour esquiver les balles. Mec, tu ne vas pas me tuer comme ça aussi simplement. C'est bon. Oh putain, on régène vite. Oh, je l'avais pas remarqué non plus. Mec, le mec est tout derrière. Putain. Franchement, attends. Putain. Par contre, on en parle, mais on n'a pas du tout. On n'a pas Dieu, quoi. On a... C'est juste un crâne sans yeux, sans visage. Il n'y a pas de visage. Putain, je suis vraiment nul. Je suis trop nul. Ok. Est-ce que vraiment, si on met des mods, ça va aller mieux? Je sais pas. D'ailleurs, il y a le speed là, si vous courez avec... Oh putain! Si vous courez avec contrôle, vous avez le speed. Bien. Putain! Non, mais là t'es en train de cheater, mec. On peut pas voir à travers les murs, le mec il fait quoi? Il saute, il fait... Coucou toi. Voilà, ok. Je crois qu'il buguait. Il devait bugger vraiment. Non, mais... Non, vraiment, lui c'est un cheater, c'est obligé comme ils disent. Le mec! À peine... À peine, genre il arrive, il fait ça, paf, il te one shot. C'est impossible. Hein, c'est impossible de faire ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai fait combien? 50 en score. Il est monté à 4115 en plus. Il est beaucoup trop haut par rapport aux autres. Ok, on fait une dernière partie cette fois-ci. J'ai envie de pouvoir... Board de burgers, more like Boris Burgers. What? C'est quoi ces noms? Ok. Je suis pas tout seul. Un seul blanc contre quatre rouges en haut. C'est juste que c'est pas moi en fait les autres, c'est tout. Putain. Il faut faire gaffe. Putain. Ils vont me tirer dessus, je le sens, je vais même pas les... Putain. Que j'allais pas les voir venir, non. Lui, c'est quand même assez bien rapproché avant de me tirer dessus. Oh. Toi. Putain. Non, quel salaud! Oui, toi tu cheats pas vraiment. Mais par contre, vous êtes plus fort que moi. Je vais faire sans le viseur, ça doit être plus simple. Parce que avec le viseur, c'est plus long. Ah ouais, là ça. Putain! Non, par contre, là tu m'as pas visé, mec. C'est bizarre. Mec, il m'a pas visé du tout. Ok, ou alors je laguais. Parce que bah on voyait pas son arme tourner vers moi du tout. Ah, ouh. Il y a un mec là. On va redescendre. On remonte. Je vais me faire shoot direct. Directos. Oh, même pas. Merde, je suis con. Putain, le mec il se met dans un cul-de-sac tout seul.
Putain, il y en avait un juste à côté en plus. C'est le vert, je crois, qui était juste à côté de moi. Ok. Alors là, paf. Et la map, je sais pas à quoi elle ressemble. Peut-être que c'est une map originale ou qu'ils ont fait eux-mêmes. Ou alors c'est une map qu'ils ont recopiée d'un autre jeu. Putain! Oh non! Oui! Attendez. What? Pourquoi il a mis plus 50? J'ai réussi à le tuer? C'est ça? Le mec, il s'est suicidé sur moi et puis il m'a tué. Genre le mec, il avait limite un couteau. Il arrive avec son couteau. Il saute sur moi. Il voulait me buter avec. Et puis là, pouf, je le tue. Du coup, son corps arrive sur moi. Se replie sur moi. Et puis son arme s'enfonce sur moi. Un truc chiant quoi du coup. More like burger quoi déjà? Bored burgers. Je crois que c'est des burgers épuisés. Je sais pas pourquoi ils mettent ça. Il y a des tonneaux. Okay. Oh putain! Par contre là, comment j'ai fait pour ne pas le voir? Le mec était. Il venait de là où je venais en fait. Il était dans la ruelle où j'étais. Ou alors il a réussi à se déplacer rapidement pour se mettre dans la ruelle. Mais bon, je pense que c'est un peu compliqué de faire ça. Putain! Ils ont un one shot en arme. Putain, ils ont une arme qui one shot. Ils ont une arme qui one shot, les gens. D'ailleurs, pour recharger, c'est R. Voilà, pour ceux qui se demandent. Ils ont une arme qui one shot. Putain. Le mec, il one shot sans avoir de sniper. Putain, c'est abusé. J'ai pas envie de m'affronter à eux. Ah, on a perdu! Perdu, perdu! C'est au ralenti dès qu'on a fini le bruit et même le mouvement. Et là, on peut plus tirer. Du coup, 8 secondes plus tard, ça va nous remettre au menu. Donc voilà, donc là, vous avez votre game sinon pour partager à vos amis. Pour que vous soyez sur la même. Et on avait Host Game, voilà. Une map normale et tout, Select Mode. Et Start Game avec Private. Auto Jump, je sais pas ce que c'est. Et voilà, comme ça on peut démarrer une partie. Je sais pas comment l'arrêter par contre. Success, share the link, ok. Ah, et du coup là je suis tout seul, c'est ça? Ah! Et du coup on a la game en haut qui s'affiche. Merde, voilà, ok. La game qui s'affiche là, c'est échappe pour... Putain. dès que vous partez d'un jeu et que vous revenez, enfin de la partie, vous allez dans échappe. Pour accéder là et que vous revenez, vous êtes obligé d'appuyer sur Click to Play. Et du coup, ça tire. Ça tire devant. Putain. Ok. Oh, waouh. C'est quoi ça? Qu'est-ce donc? What? Je peux pas tirer. Si, je peux tirer dessus. Ah, ouais, ok. Dès que vous n'arrivez pas à tirer, dès que vous avez plus de munitions, là, voilà, je vous montre. 0 sur 3. Au lieu de faire R reload, vous pouvez juste tirer un coup. Et puis ça va automatiquement reload au lieu d'appuyer sur R, ce qui est plus compliqué. Donc dès que vous avez fini, vous appuyez rapidement sur votre touche de tir. Et puis c'est bon. Bien sûr, il faut attendre que vous ayez fini de tirer. Alors que là, c'est automatique. Si vous appuyez sur R, vous appuyez là, hop, un deuxième, un troisième, et là j'appuie direct sur R, et c'est bon, c'est direct rechargé. Alors que là, il faut attendre le reload de l'arme. Parce que là, il y a un reload pour celle-là. Avant de pouvoir. Après celle-là, je sais pas comment c'est. L, c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Genre. Ouais, c'est même plus rapide que si on appuie sur R. Parce que du coup, vu que il n'y a pas tellement de délai dès que vous tirez, bah ça va. C'est plutôt fluide. Bon, je vous ai peut-être un peu fait chier. What? Je vous ai peut-être un peu fait chier à tirer comme ça à fond. Mais non, les gars. Ils ont même mis le message là. Subscribe to PewDiePie. We are doing our part.
Join the 90-year-old army. Bon bah ok, j'essaie de mettre en fiche la chaîne de PewDiePie. Allez vous abonner. Faut qu'il batte T-Series et qu'il arrive premier en fait. Premier à 100 millions d'abonnés. Voilà, il a 95 millions et quelques. Donc premier à 100 millions d'abonnés avant T-Series. Donc subscribe to PewDiePie. Même moi je fais la pub du coup. Je mets l'affiche du coup de sa chaîne YouTube à l'écran maintenant et même avant en fait. Normalement je peux en mettre une seule je crois, donc je vais voir. Sinon je mettrai juste le lien en description, mais je mettrai les deux si j'arrive à mettre l'affiche de sa chaîne aussi. Bon bah voilà, en tout cas c'est la fin de la vidéo et d'ailleurs subscribe aussi to Future Imaginity et Darkbo. Donc je mets les deux chaînes YouTube en plus en fiche si je peux et puis à la fin vous aurez la mienne surtout. Enfin la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement, vous aurez le moyen de vous abonner. Donc voilà. Donc en tout cas, hop, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo sur Darkbo. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Future Imaginity. Et n'hésitez pas, du coup je mets le lien du Discord en description, à proposer vos idées de jeu de la semaine pour le jeu de dimanche prochain, qui sera tourné normalement samedi à peu près, ou peut-être avant, mais du coup le jeu de dimanche prochain. Oh, Victory! Ah, il y a une victoire automatique au bout d'un moment, ok. C'est par rapport au nombre de kills, je pense. Mais du coup, vu que là j'étais tout seul, bah ça m'a compté victoire. Donc n'hésitez pas à proposer vos idées de jeu sur le Discord de Future Imaginity, comme l'a fait Dark Scientist sur le chat idées jeux de la semaine. Et moi du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo de Future Imaginity. Tchuss!